Oh, cette musique jazzy pour Paris. Oh là là. Il y a ça dans les boîtes de nuit parisiennes. C'est un bâtiment. Ah. Ah ben voilà. Non, je suis obligé de faire l'usage d'un explosif. Là, il n'y a pas une caisse de TNT. Enfin, tu me diras. Surtout un édifice à Paris en pleine... en plein couvre-feu, ce serait surprenant d'avoir un explosif. Je fais valoir ma compétence pour les tournevis, je la passe à qualifier. Ouais, allez. Ah, deux passe-partout quand même. Ouais, allez, j'en ai plein des passe-partout. On voit que Puig. Il y a un livre. On n'a pas loin. Il y a un pit biche et il y a des torches. Ah, contrat. Ce contrat est conclu entre part de l'investisseur. Attends, faut que je le comprenne. Ce contrat est conclu entre d'une part l'investisseur et d'autre part l'entrepreneur qui s'engage mutuellement à accomplir les efforts nécessaires à la rénovation de la propriété dont les caractéristiques sont définies plus bas. Ce contrat est inutile, René. Maintenant que les investisseurs se sont désistés, j'ai dû mettre au chômage technique les 18 hommes. Je sais ce que nous puissions rentrer, nous ne pouvons qu'attendre. Code ascenseur maintenance 4003. Club La Porte de l'Enfer, 21h30. Gras et gris grillis, gras et gris grillis. Grissel, pardon. Grissel, oh là, qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils ont connaissance des Grissel? Qu'est-ce qu'il y a des Grissel à Paris? J'aurais que c'était sur le territoire états-unien.
Bah bref. Ah, 4003 pour la maintenance. Ah, le chat passe son épreuve du feu. Incroyable. Ah, il y a un rat, ça fait le bonheur du chat. Non, rien que pour le fun, pour le chat, lui libérer un rat. Je prends une poubelle que je vais sacrifier. Attention pour pas que j'écrase le chat. Hop là. Bon, on m'a dit quoi, 4003, c'est j'ai déjà vu. Merde, il y a un sens en plus pour le... Ah non, il n'y avait pas de rat. Ou alors le rat est mort cuit. Tant pis, allez, au revoir le chat. Merde, je dois cliquer sur le 3, je clique sur le 2. Oh le... I didn't know. How could I know? Bonjour, madame. What's wrong? I tried to stop them. I tried. Stop who? Mabra Monte Mimi. It was the contamination. And those four grizzles down there. 0001. Stupid, stupid, stupid password. That door should be locked. Contamination and mutants. Where? The sewers, in the basement. I lost everybody, except for Michelle. Sorry to hear that. Somebody should kill those ugly, those stinking, vicious... Oh, no, 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 it's too dangerous. We've got to keep that door closed. Green, greasy grizzles. Oh. Grizzles. Ouais. C'est bien de la maison dont elle le dit. Chesterton. Professeur, cria-t-il, c'est intolérable, avez-vous peur de cet homme? Le professeur leva ses lourdes paupières et regarda Sim de ses grands yeux bleus qui luisaient d'une honnêteté éthérée. Oui, j'en ai peur, répondit-il doucement, et vous aussi. Sim resta muet un instant, puis il bondit sur ses pieds comme un homme insulté et jeta la chaise au loin. Oui, jeta-t-il d'une voix sourde, vous avez raison, j'ai peur de lui. Et pour cette raison, je jure devant Dieu de chercher cet homme qui m'effraie jusqu'à le débusquer et l'abattre.
Et même si le ciel et son trône et la terre sont au pose-pied, je l'en ferai descendre. Comment ? Demanda le professeur, curieux. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de lui, dit Sim. Et qu'aucun homme digne de ce nom ne doit laisser subsister dans son univers quelque chose dont il a peur. Et voilà. Horrible, horrible. Ah mon Dieu. La descente du truc, toi. Bah bon, là je peux courir parce que... Restricted derrière... Il y aura un truc là-dedans. Ah...
Ne me dis pas ce que j'ai lu, c'était le code pour ça. Attends. Globe, la porte de l'enfer. Non, c'est pas ça, 21-30. Non, c'est le 001, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais... pourquoi ils conservent ça là? Ils sont cinglés. Ah la vache, la hague à côté, c'est de la rigolade. Merde, je sais plus. Non, c'est pas verrouillé ça. On aurait pu croire. I didn't know. How green, greasy, greasers. Oh. Attention le chat. Oh! Ah oui. Ah bah tiens, le coup du couteau. J'avais complètement oublié que j'avais embarqué un couteau alors que j'en ai rien à foutre. Attention le chat. J'ai même la combinaison, je meurs. Putain, mais vous êtes pas sérieux, les gens. D'avoir écrasé le chat, mais là. Bon, bah, je vais la prévenir comme quoi j'ai nettoyé les égouts, ça y est. Sauf qu'il faut que je me retape le. Oh là là. Oh!
I took care of the Greasels. Oh? Nothing can bring back their victims, but rest assured, the threat is gone. Hurrah, my kitties! Now they can go out to play and not get eaten! And can you believe, the guys with the rocket tubes were afraid. Rockets? Oh yes, the soldiers that used building number 14, you know, across from the catacombs, the old entrance. Afraid of Greasels. Bravery is not a function of firepower. Bien dit. Green, crazy, crazers. Ah! Oh merde! Oh le con! God! God! Bon. J'ai failli passer en courant et ne pas le voir. Ouais, je crois que j'ai le nom max passe-partout. Bon, attends, je sauvegarde parce que si je fais une mauvaise rencontre. Ça me fait chier de tout recommencer. Ah bah tiens. Putain, et ce ne sont pas les catacombes encore. Thank you.
Eh oui. Forcément, faut que j'aille dans les rues de Paris. C'est vrai que l'ambiance, elle est bien faite. Oula. Ils sont trop nombreux. C'est la caca. L'air de piano dramatique. J'adore. Je pense pas que je puisse le sniper. Y a-t-il ces trucs qui peuvent aider? Comme des biologiques ou non, ils sont considérés comme des biologiques. Et à mon avis, je peux pas les sniper.
je vais essayer. Avec un peu de chance, ça a fonctionné. Ah si, je peux les sniper. J'ai rien dit. Je pensais que mes balles étaient pas assez puissantes par rapport à leur armure, mais si. Et vous avez exagéré le bruit des grillons là. Merde.
Running search pattern. It's him. Terminating now. Il bouge trop. Merde. The sucker's still alive. Il bouge trop. Looks like a false reading. Merde. Il est plus rapide et plus malin que ce que je ne pensais. À une certaine distance, le snipe est plus assez puissant en fait. Je pense que c'est ça mon problème. Merde! Ah non, là ils sont trop nombreux là, ça va pas. Hello. Ouais, non, ils sont trop nombreux. Putain. Ah merde, je l'avais bien éliminé l'autre con. C'était l'un côté, un ou l'autre. Donc pas de bol. L'intelligence artificielle a la qualité de changer chaque rechargement, c'est bien, il y a de la prévue. De Paris, restaurant. Il y a encore des jolis noms dans le futur à Paris. Oh, cette douce musique, oh putain. Thank you.
It's him. Terminating now. Ah putain, ils sont trop bons. Une grenade. Ouais. Ah mais si je fais ça, ça va se voir. Fermé, on est d'accord. On est d'accord. Ça leur fait quelque chose. Je pense que ça ne vaut rien à foutre. Mais il n'y a rien sur les commandos, c'est horrible. Sont casse-couilles au possible. Ils sont chiants à battre. Oups. Tourne-toi dans le bon sens. Merci. Oh putain, j'ai eu chaud. Merde. Oh putain.
les salauds. Seltos Industries, mon dieu. Merde. Ah, je suis trop ambitieux. Vache, ils ont un putain de système de visée. Ah, ça va, il m'aime bien. Il est dans mon camp. Ah bah ça va alors. Il patrouille large pour moi. C'est bon ça. Ah ah ! Très bien. Je vais essayer un truc. Quoi ? Passage incroyable. La violence. Putain la vache. Le nombre de balles que j'ai dû tirer. Qu'un peu de chance, je suis tranquille un moment. Sir. C'est beau.
Donc rappelle-moi les objectifs. Entrer en contact avec les Illuminati à Paris ou leur ancien dirigeant Morgan Everett, ce serait réfugié. Prenez l'hélicoptère jusqu'à Paris, prenez contact avec Silhouette dans les catacombes de la capitale française. Ah merde, c'est quoi ça? Ah, c'est du très très lourd ça. Putain. Oh putain. Je crois comprendre qu'il fait le tour de la place, le Mickey. Je trouve qu'il y a une ambiance à la Suite of Rage. Ah, il y a de la lecture. Il y a un terminal d'information publique. Il y a des distributeurs de bank. Je me transformer en plante d'extérieur là. Je suis un pot. Hop hop, joli popé. Merde, j'ai merdé mon tir en plus. Incroyable, ça a désactivé l'autre en fait. Ah, c'est pas con, c'est logique. Mais stratégiquement, ça fait chier. Je peux pas bombarder en... Putain, mais il est encore en état l'autre. Ça y est. Vache. La canette qui sert à rien. Ah, la grosse cochonnerie, toi. C'est qui m'a repéré? Oh là là. Merde, j'ai plus de munitions pour... Oula. Ah. Putain, j'ai pas eu le temps de viser la deuxième fois, il m'a déjà abattu. Je croyais que j'allais tirer des balles, pas des grenades. Ça a vachement bien marché. Ça, c'est une bonne surprise. Je m'attendais à tirer des balles, pas des grenades. Oh.
en furtif, je les ai même pas vus. J'étais persuadé qu'il y avait personne dans la rue. Attends, comment c'est possible? J'ai du caca dans les yeux, ouais, c'est pas possible. Sir, it's perfectly safe. Je crois. Route fermée en bon français. Mais non, bah c'est bon. J'ai rincé le quartier. Ah, trop bien le lion. Avec la machine, ouais, ça mérite un. Oh, c'est beau. Capture d'écran. Et là, il n'y a plus personne non plus. Ah si, ils sont nombreux, merde. Faudrait que je revienne dans les rues de Paris. Boulangerie centrale. Oh, bonjour. Monsieur, over here. Yeah? I have something of interest. Rockets, hein? 4 for 5250. 3 lambs for 6750. A recoil suppressor weapon modification. 1200. Good deal, eh? Those prices sound pretty steep. The best I can do with the troops everywhere. They took over the mall where I meet my supplier. Turns out I'm not a friend of the current regime. Maybe I can help you out. Who is? We are all suffering. I tell you this. If you remove the 3 soldiers from the metro station next to the mall, never mind the dumb security, I will owe you a favor. Until then, the prices remain. Pretty steep prices. I'll think about doing that favor. Ce qui me fait chier, c'est qu'il faudrait que je trouve le terminal. Ici, caméra. Ah, c'est au-dessus, c'est dans la rue. Merde. C'est qu'il y avait un truc à... Ouais, je sais pas, c'est pas 52 crédits qui vont... Bon, ça fait une belle planque, tu me diras. Ah! Là, je comprends mieux.
Je dois l'avouer, je vois rien. Non, y'a rien. Merde, c'est mort. Il y a un terminal dessus, pourquoi je l'ai pas trouvé la façade avec le terminal? Là je comprends pas. Pourquoi il me détecte, je sais pas. Caméra qui me détecte, j'ai pas compris. Porte de verrou.
Non, porte de clé. Oh putain! S'il m'a vu. J'avais espoir qu'il avait un angle plus serré de scan, mais non. C'est le mec qui est sous-équipé, mais... Attends, je vais peut-être faire une découverte dans les toilettes. Ouais. Out there, give yourself up. Yeah, false alarm, I guess.
Oh putain. Là j'ai réussi un joli coup. Hop hop hop. Mais est-ce que j'ai quelque chose dans les chiottes? Non. Oh fait chier, non y'a rien. J'entends une caméra. J'entends la caméra mais je la vois pas. Non y'a rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose sur le comptoir. Non. Des chiottes quoi. L'univers a le mérite d'être parfaitement cohérent. Ah merde. Non, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser une glow et l'exploser. Ça aurait été mieux. Comme ça, on n'en parle plus.
got a bogey. No, I'm aiming for the head. Mais qui m'a repéré? Trop bien fait. Alors pour les chenilles, elle a du turfu. Ah, InfoCube. Christophe, j'ai changé le login de la console de sécurité sur demande du MJ12. Je ne connais pas la raison, mais j'ai entendu qu'ils vont fermer la station pendant plusieurs jours, dans moins d'une semaine. Quelque chose ne va pas. Il vaut mieux coopérer avec eux, tu pourras pas berner ces gars. Login, métro, serve, M, mot de passe, bon, fais attention à toi, Ernest. Ok. J'aurais fait ça de toute façon. J'aurais quoi? Ah, j'aurais liquidé. Ah ouais. Ouais, dommage. Ouais, c'est un peu con en fait, j'ai des regrets là parce que j'aurais économisé des munitions. Ah merde. Tant pis, tant pis. Faut que je l'avoue, j'ai mal joué. Pardon, lyophilisé. Si je suis blessé, ça me fera un petit peu de points bonus. Alors, oui, il y a les logins, mais bon, je peux faire. Là, il n'y a rien. D'accord que si je fais le bordel, il se passe rien. Ouais, métro serve Beaumont. Métro serve.
plus si c'était BEAU ou AU. Non, je sais plus. C'était BEAU ou AU. Non, BEAU. Non, bah non, c'est qu'effectivement il n'y a pas ça. Troops in the station. Yeah? They're dead. Now what about giving me a deal on some hardware? Dead, eh? That could mean a lot of money for me, and a discount for you. I will give you prices that are one third of what I said before. No better deal anywhere. Ah. Alors l'igloo pour 2250, je veux bien. I'll take the three lamps for 2250. You know how to use, yes? The activation switch will light up the red lights. Roar as far as you can, then get down. I think I understand. Heard of a resistance group called Silhouette? My primary market. I need to contact them. I've been told they have a hideout in the catacombs. Not a good time for Silhouette. The government is cracking down. Yeah? I saw commandos and troops going in the catacombs entrance across the street. They plan to occupy the entire network. Is Silhouette's bunker concealed? Quite ingeniously, but a soldier will stumble into the secret door eventually. Anyway, can we make a deal? I'll pass for now. Ouais, tu ship ton soldier. J'ai pas de balles. D'accord, j'ai pas de munitions. Cologne sur mer. Mon dieu. J'avais même pas fait gaffe. Interpol recherche JC Danton. Interpol est actuellement à la recherche du célèbre JC Psycho Danton. Danton est recherché pour un certain nombre de crimes internationaux qui vont du vol au meurtre, en passant par le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la destruction de propriétés. Danton a été vu la dernière fois à New York, mais des informations de fraîche date laissent penser qu'il pourrait actuellement opérer à Paris. Danton mesure environ 1m85 et présente des tatouages faciaux et des yeux bleu vifs, résultant d'une condition génétique très rare qui tente de dissimuler derrière une paire de lunettes de soleil. Danton est extrêmement dangereux et ne doit en aucun cas être abordé. Si vous croyez l'avoir vu, contactez immédiatement le plus proche représentant de la police ou de la sécurité. Toute information susceptible d'aboutir à son arrestation sera composée d'une somme de 10 000 crédits. Interpol essaye aussi de localiser les dénommés Alex Jacobson et James Reyes pour les interroger sur leur rôle dans un certain nombre d'attentats. Aucune description de ces deux individus n'est pour l'instant disponible. Alors, Icarus t'a trouvé, lisez-moi. Icarus t'a trouvé, fuis tant que tu le peux encore. Ah, c'est Daedalus qui m'envoie un message d'alerte. Couvre-feu étendu. En raison d'une augmentation de la criminalité la semaine dernière, le couvre-feu est étendu de 10h du soir à 6h le matin. Tout individu pris en flagrant délit de violation de couvre-feu est passible d'une amende de 5 000 crédits et d'un an de prison. Les robots de patrouille ont
toute latitude pour arrêter les individus suspects lorsque c'est nécessaire, et les résidents sont invités à respecter les injonctions d'obtempérer d'un robot de la même manière qu'ils le feraient avec un presto de la police. Les catacombes et les tunnels environnants sont toujours strictement interdits au public. Tout individu trouvé sur les lieux sera présumé engagé dans des activités illégales jusqu'à preuve du contraire. La police a été chargée de sanctionner de telles activités avec la force armée si besoin est. Quoi ? La racine, route, EMS direct, 8009. Fichier tampon surchargé. Quoi ? Le réseau de la vérité est trop net, n'importe quoi. Mensonge, vérité. Citoyen de Paris, ne vous êtes-vous jamais retourné dans votre sommeil lorsque votre liberté était arrachée ? Vous étiez arraché, pardon. Avez-vous entendu quand ils ont osé proclamer que c'était en votre nom qu'ils le faisaient, ou que... Ou vous êtes-vous simplement éveillé de vos rêves sans jamais pouvoir aborder la question épineuse de votre esclavage ? La ville lumière a été engloutie par les ombres que le gouvernement nous a arrachées. Nous vivons désormais dans la peur de ces troupes dont le pas résonne en cadence avec le cliquetis des outils de l'oppression, effrayés même de quitter notre arrondissement. Qu'est-il devenu la libre et fière cité d'antan ? Pigalle est devenu le tombeau d'une joie enterrée et les Champs-Élysées ne résonnent plus que des hymnes de nos espoirs oubliés. Nous avons laissé ça se produire. Mais il n'est pas trop tard. La liberté est dans nos cœurs et nos esprits, et c'est là que la révolution doit commencer. Que notre regard se braque vers eux qui ne nous rassemblent que pour mieux nous enchaîner. Que notre regard se braque vers ceux qui nous payent nos âmes des crédits qui nous volent. Que nos regards se braquent vers ceux qui nous troquent l'illusion de la sécurité contre la totalité de notre liberté. Remettez tout en question et ne croyez à rien. Menez la lutte là où elle leur est invisible et résistez. Silhouette, ministre de la vérité et de leur sommeil, nous profiterons. Eh ben dis donc. Ouais, j'apprends rien de... d'ultra... Oui, bah cela, je vais les pirater. Il y a le terminal que j'ai pas fait en pleine rue aussi. Ok. Allez, on y retourne. Ah, c'est pas bon ça. Ah merde. Ah merde, merde, merde. Et puis j'ai plus de boum boum. Ah, c'est pas cool du tout. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Pas que le jeu allait garder la position de l'ennemi. Merde. Ah, j'ai fait une énorme connerie en fait en me précipitant dans le métro. Finalement, je vais peut-être faire un peu d'économie. Mais d'accord, lui, il est mort. Ouais, lui, il est mort. Oh putain. Mais je suis même pas fait détecter, trop fort. Ah mais merde, je croyais que j'atterrissais
definitely somebody. Nothing here now. La porte est fermée. Ah oui, attends, et oh, c'est des meubles à... j'ai dit un trou. Des meubles de rangement, j'ai mal regardé la première fois. Attention. Non, y a rien. Mais y aurait pu. Voilà, comme ça par exemple.
truc, hein. Je l'ai bien pris. Ouais, donc j'avais lu. Oh merde, j'ai fait de la merde. Con, j'ai perdu du pognon parce que j'ai cliqué trop activement. Oh, fait chier. Il y a une intersection, ah putain. Oh le coup. Bandit, he's close. All readings. Continuing scan. Je vais même pas me demander si je peux pas me le faire au... à la Dawn Dragon. Vas-y voir que j'essaye. Ah ouais, je peux me le faire à la dent de dragon. Donc du coup je vais récupérer un maglo. Si je me merde pas. C'est bon ça. Oui il y en a deux. Alors attends, je vais utiliser deux d'un coup. Allez, on recommence. Ah là 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 là. Hop. De toute façon, il faudra que je parle au mec aussi. Mais j'en ai rien à foutre de ton siège à la con. Ah oui, c'est vrai que ça avait explosé dans mon... dans ma première tentative. Ah oui, et là toutes les lampes sont là, parce qu'il n'y a pas le souffle de l'explosion. Ah, ça fait la, toute la différence. Là j'ai des munitions, je suis content. Bon, il y a lui qui est mouru. Voilà, ça je l'avais pas piraté. Et à mon avis, je vais arrêter avant de sortir du métro, je réessayerai en... en off, c'est-à-dire enregistrement, de me démerder à cigouiller les deux Mickey, parce que pff, à mon avis je vais en chier, ça va être frustrant, je vais peut-être m'y reprendre 1000 fois avant de pouvoir continuer l'histoire. Je ferai ça un autre jour, je sais pas, peut-être dimanche. Là on est jeudi, vendredi, samedi, je vais être complètement occupé. Orage ionique, c'est original. Ça arrête. N'importe quoi. C'était quoi ça? Je sais plus. Ah oui, c'était des fléchettes que j'ai déjà. Alors, que je pirate proprement le... Oh, il y a les noms des stations pour de bon. Pont de l'Alma, Javel. Ah putain, ils sont chiants, ils font trembler
sol, les automates, ils sont casse-couilles. Alors, les infos de Schmilbeek. Alors, calmement, on retire le pognon. Voilà, je vais papoter avec le Frenchie, à qui je dois choper d'ailleurs le soja. Et je crois que je suis bon après. I took out the troops in the station. Yeah? They're dead. Now what about giving me a deal on some hardware? Dead, eh? That could mean a lot of money for me, and a discount for you. I will give you prices that are 1/3 of what I said before. No better deal anywhere. I'll take the 3 lambs for $22.50. You know how to use, yes? The activation switch will light up the red lights. Roar as far as you can, then get down. I think I understand. Heard of a resistance group called Silhouette? My primary market. I need to contact them. I've been told they have a hideout in the catacombs. Not a good time for Silhouette. The government is cracking down. Yeah? I saw commandos and troops going in the catacombs entrance across the street. They plan to occupy the entire network. Is Silhouette's bunker concealed? Quite ingeniously, but a soldier will stumble into the secret door eventually. Anyway, can we make a deal? I'll pass for now. Crackdown must hurt business. My customers are in a Roman tomb underground waiting to be killed. Yes, it has hurt business. I'm working against the group that controls the French government. I want to help Silhouette. Tell me how to find the secret bunker. You want to fight the entire French army? The troops you've seen aren't French. They belong to an international group called Majestic 12. I have heard these rumors. Maybe it is true, and maybe you will help Silhouette. But they trust me to keep their secret. What do you want to buy? I'll pass for now. Can we make a deal? I'll pass for now.